Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Péripéties d'une Belette. Moi c'est Lucie et aujourd'hui je vous accueille pour ouvrir avec vous un nouveau vlog de tricot. Donc je vous emmène avec moi au fil des mailles pendant quasiment une semaine. Alors oui, quasiment une semaine puisque on est le dimanche 13 octobre. Pourquoi? Dès que j'allume la caméra, il y a des motos qui passent. C'est fantastique. Donc je vous disais, on est le dimanche 13 octobre et je clôturerai cette vidéo samedi prochain, donc ça fera quasiment une semaine. Alors tout de suite les informations d'usage, vous retrouverez dans la description de la vidéo le lien vers les différents patrons et laines que je peux tricoter dans cet épisode. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, à savoir sur Instagram sous le pseudo Les Péripéties d'une Belette, sur Twitch où j'anime un tricoté hebdomadaire le lundi à 20h15 sous le pseudo Lucie Belette. Vous pouvez également me retrouver sur Ravelry où un jour ce sera à jour. Voilà, un jour ce sera à jour. Je ne peux rien vous promettre de plus. Alors, on se retrouve, je vous ai laissé mercredi. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la clôture de ce précédent vlog? Il s'est passé des trucs. Tout d'abord, j'ai terminé depuis hier mon obsession des citrouilles. Clairement, on était parti sur de l'obsession, donc j'ai fait plus d'une vingtaine de citrouilles. Là, je vous montre que les dernières, celles que j'ai encore à donner, puisque les autres sont déjà réparties un peu partout dans mon appartement. Là, il y en a trois pour mon papa et trois pour des amis. Voilà. Est-ce qu'à un moment j'ai perdu le contrôle des citrouilles? Oui. Clairement oui. Les citrouilles se sont multipliées de manière absolument incontrôlable. C'est-à-dire qu'à la base, je m'étais dit, allez, j'en fais quelques-unes et je les rembourre avec les fils de coupe de bonnet et des choses comme ça. Non, en fait, j'ai pas fait de bonnet. D'ailleurs, là, il y a, je sais plus, une cinquantaine de bonnets. Ce sera très bien pour le faire sur Minkal. C'est ce que j'apporterai. Je n'arrive pas à m'y remettre. J'arrive pas du tout à m'y remettre en ce moment. J'ai tout qui est sorti, j'ai tout qui est en évidence sur la table et j'y arrive pas. Donc, la cinquantaine de bonnets qu'il y a là, ce sera déjà très bien. Voilà. Et le reste, bah, ce sera fait pour les années à venir. Alors ça m'embête un peu quand même parce que ça prend pas mal de place. Donc j'ai un côté de moi qui me dit, si, vas-y, essaye d'en faire un maximum. Et j'ai un autre côté de moi qui me dit, non, t'as envie de faire autre chose. Donc fais autre chose. Voilà, c'est encore un peu compliqué. Mais bon, du coup, j'avais prévu de rembourrer ces petites citrouilles avec des chutes de fils de bonnet. Finalement, j'ai passé un énorme sac de rembourrage. Voilà. Donc je suis très contente parce que ce sac, ce gros sac de rembourrage, là, qui était quasiment plein, je l'avais acheté, et ben exactement, je peux vous dire, je l'ai acheté en 2017, il y a presque, du coup, 7 ans, jour pour jour, parce que pour l'arrivée de Nubio à la maison, Nubio c'est mon petit chien d'amour que j'aime très fort. Il y a eh ben le vin, ça fera 7 ans qu'il vit avec nous. Je lui avais cousu des peluches en fait et je n'avais pas de rembourrage, donc j'étais allée acheter du rembourrage. Donc j'avais fait une peluche qui a duré approximativement, en étant vraiment généreuse, je dirais 48 heures. Voilà. Mais alors, non, en vrai ça a tenu jusqu'au moment où il s'est senti assez à l'aise à la maison pour commencer à mâchouiller. Là ça n'a plus tenu du tout. La peluche, les yeux se sont fait arracher. J'avais cousu des yeux, hein. c'était pas des boutons, non, j'avais tout cousu. Arraché les yeux, je lui ai fait un petit hibou, il s'est arraché les yeux. Mais il était trop mignon avec, parce que le hibou était, quand on allait le chercher, on l'avait encore jamais vu, donc on se l'imaginait plus grand en fait, je sais pas pourquoi. Et en fait il était vraiment tout petit. Quand on l'a récupéré, il était tellement petit qu'il n'arrivait pas à monter sur les trottoirs.
Et donc il se baladait comme ça avec sa peluche, et il marchait comme ça avec la peluche, il tombait dessus, c'était tellement mignon. Mais du coup, ça m'a passé l'envie de lui faire d'autres peluches. Donc je me suis trimballé ce sac de bourre pendant des années, et là je suis très contente parce que ça y est, il est terminé. Donc non seulement j'ai épuisé des restes, mais en plus j'ai vidé un sac de bourre, donc je suis vraiment vraiment très contente. J'ai un super pli là. C'est ouf, hein. Genre, en fait, Donc, on est dimanche. Qui dit dimanche dit se lever tôt, bosser un peu, sortir le chien pendant 1 heure et demie, aller à la piscine, rentrer manger, mettre un masque sur les cheveux, passer sous la douche. Et donc là, je viens de... Bon, je suis passée sous la douche il y a quoi? Il y a 1 heure, donc j'ai les cheveux encore mouillés. On vient de terminer de réserver nos vacances avec Monsieur Belette. Et du coup, je me suis dit, allez, je vais filmer maintenant, mais du coup, je suis en pyjama. Enfin, pyjama, pas vraiment. J'ai pas de pyjama, je dors pas en pyjama. Je fais partie de la team, je dors à poil. Mais du coup, j'ai des vêtements pour traîner à la maison. Et donc là, je viens de ressortir ce t-shirt après un estivage de plusieurs mois. Et il a un magnifique pli. On dirait que je repasse mes pyjamas. Pas du tout. Hein? Démystifions la chose. Le repassage. Oui, je suis croyante, mais pas pratiquante. Voilà, on va s'arrêter là. Le repassage, je suis croyante, mais pas pratiquante. Voilà. Alors, parlons un peu de tricot. Donc, les citrouilles, je les ai faites selon la vidéo tuto qu'a sorti Sophie de Au fil de la ruche. Donc, j'ai varié la grosseur de fil, la grosseur d'aiguille, etc. La quantité de mailles aussi à faire, parce que enfin, j'ai suivi la même recette, mais par exemple, sur celle-ci, je savais que j'allais peut-être un peu manquer de mailles, donc j'ai de laine. Du coup, j'ai monté un peu moins de mailles. Celle-ci aussi, je crois. Enfin, voilà, du coup, j'ai un petit arsenal de citrouilles, toutes mignonnes, que j'ai trouvées très choupi-choupi. Voilà. Maintenant, il va falloir que je réfléchisse à comment je les distille. J'ai des potes qui en veulent et j'ai mon papa qui en veut. J'ai pas envie d'en faire d'autres parce que j'ai épuisé toutes les laines qui, en termes de couleur, pouvaient convenir. Parce que oui, il y a des citrouilles blanches et oui, il y a des citrouilles grises. Quand on avait la maison en Dordogne, et quand ma mère était toujours vivante aussi, elle s'amusait à trouver des trucs un peu improbables à planter dans le jardin, donc on avait des citrouilles de toutes les couleurs. Donc oui, on peut avoir des citrouilles improbables, voilà, de toutes les couleurs. Donc j'en ai jamais vu, par contre, des vues violettes. Ça tombe bien, je ne tricote pas le violet. Mais voilà, j'essaie de rester un peu dans les couleurs automnales. Si vous voulez tricoter des citrouilles, la seule différence que j'ai fait par rapport au patron de Sophie, c'est que elle garde des queues de citrouilles qu'elle colle sur ses citrouilles. Moi, j'achète mes citrouilles, hein, je ne les fais pas pousser. Donc, quand je les récupère, elles ont plus de queue. Du coup, je tricote un petit tie-cord que je viens coudre après dessus. Alors on peut les pencher un peu, ça fait un peu plus réaliste. Voilà, celle-ci, elle est restée bien droite, mais la plupart du temps, elles sont un peu penchées et c'est assez... Voilà, vous voyez, c'est pas mal. Bref, c'est pas mal. Je suis très contente de ces citrouilles, je vous ai dit, j'en ai déjà offert pas mal. Et elles plaisent beaucoup. Toutes les personnes qui sont passées à la maison les ont beaucoup, beaucoup appréciées. J'ai des amis qui ont vu mes stories sur Insta et qui m'ont dit, ah, j'ai des citrouilles et tout. J'en ai distribué à des collègues. Donc voilà. La folie des citrouilles, j'ai décidé à un moment d'y mettre un terme parce que je pense que sinon je pouvais encore tricoter des citrouilles pendant 3 semaines. Et au bout d'un moment, je me serais lassée. Là, je crois que je suis allée au bout de mon envie de petits tricots rapides et que j'ai envie de reprendre des tricots avec plus d'ampleur. Voilà. Parce que ces derniers temps, j'avais pas très très envie. Je vous ai dit que j'ai eu une grosse, grosse, grosse période de fatigue. Je commence à réussir à m'en remettre tout juste. Donc la grosse période de fatigue, c'est intervenu quoi, il y a 1 mois à peu près. Et je commence seulement à réussir à avoir un peu plus d'énergie. C'est-à-dire que encore la semaine dernière, je suis allée donc à la piscine dimanche comme tous les dimanches. Lundi, j'ai dormi quasiment toute la journée. Et là, je me sens moins fatiguée que la semaine dernière. Il y a pareil, je suis allée à la piscine le mardi, le mercredi, j'avais dormi toute la journée. Donc là, j'ai l'impression que ça commence à aller un petit peu mieux. J'aimerais parce que moralement, c'est un peu usant d'avoir l'impression de rien faire parce que trop fatiguée.
Mais voilà, je commence à m'en sortir petit à petit. J'espère que c'est vraiment derrière cette grosse période de fatigue parce que c'est pénible, c'est vraiment pénible. Je ne tiens pas en place. J'ai tout le temps besoin de faire des trucs, j'ai tout le temps besoin d'être occupée. Et en fait, j'ai globalement deux modes de fonctionnement. C'est soit Lucie est à 400%, soit Lucie est à peu près moins 30%. J'ai pas la balance entre les deux. Je suis pas quelqu'un qui peut être genre à 60% dans ma journée. Non, non, c'est soit je suis à 400%, soit je suis pas du tout et je dors, quoi. Et du coup, être en capacité de donner 20% d'énergie, c'est un truc, ça m'agace. Ça m'agace fortement et donc ça aide pas dans l'avancée du truc. Bref, du coup, je vous ai dit hier. Oui, c'est ça, je crois. Hier matin, j'ai fait mes dernières citrouilles. Ma dernière citrouille, parce qu'en fait, avant-hier soir, j'étais trop fatiguée pour la terminer. Je terminais hier matin et j'ai repris un grand tricot. Donc, j'ai repris mon pull Cousteau de le Stilknitting que je tricote en Vaya de Langue. Donc, c'est un fil. Ça, c'était pas une moto, ça, c'était une grosse voiture. C'est un fil tissé, je crois. Tissé avec à l'intérieur. C'est un fil de coton tissé avec à l'intérieur du mérino, du yak et je crois qu'il y a un petit peu d'acrylique ou je ne sais plus. Mais bref, du coup, c'est quelque chose de très léger, très aérien. Je vous avais déjà montré la première manche et j'ai terminé la deuxième manche. Quand je vous avais laissé la semaine dernière avant de partir dans une obsession de cucurbitacée. Mais il me semble que les citrouilles, c'est des cucurbitacées. Si je me trompe, pardonnez-moi, de base, je suis géologue, pas citrouillologue. Voilà. Donc, la biologie végétale, je laisse ça aux gens qui savent. Voilà. Ça n'a jamais fait partie de mes passions. Donc, je crois que c'est un cucurbitacée. Malia, si tu passes par là, dis-moi si je me trompe. Voilà. Donc, qu'est-ce que je veux dire? J'ai terminé ma manche et là, je vais attaquer le corps. Voilà. Je vais essayer de terminer ce pull dans ce vlog. Vu qu'il reste pas grand-chose, j'aimerais bien parce que j'ai pas avancé de gros. Enfin, j'ai l'impression de pas avancer sur mes gros projets. Donc, déjà, plusieurs choses. Je ne vais plus avoir deux gros projets en même temps. J'aime bien avoir un pull, un gilet, mais là je vois que ce n'est pas possible pour moi, j'arrive pas à avancer. Tant que je suis aussi fatiguée en fait, tant que je suis pas à nouveau à 400% tout le temps, ça me pèse de pas avancer sur un projet, donc je vais arrêter d'être multi en cours. Donc je vais continuer de manière assez, comment dire, exclusif celui-ci. Le costaud. Ensuite, je terminerai mon gilet Auréa. Mon gilet Auréa, tout en avançant le châle de Noël de Monsieur Belette. Mais lui qui va arriver tranquille, tranquille. J'ai ensuite à faire un pull pour Monsieur Belette pour Noël. Donc, je m'occuperai de ça pendant les vacances. Je vais aussi reprendre son pull Cactus. Cactéa. Alerte au cactus, je sais plus. Attendez, je vous le remonte. Donc, c'est le un pull que j'ai fait pour Monsieur Velette l'année dernière. Oui, ça, c'est les projets où il faut que je décide ce que j'en fais. Le pull cactus. Donc, c'était un pull de je sais plus qui, paru dans un magazine, imprimé sur avec des feuilles roses. Enfin, bref, c'était pas terrible. Où, à aucun moment, c'est marqué qu'il y a un col cheminé. Donc, si le col ne plaît pas à Monsieur Velette, il faut que, au porté, il va falloir que je reprenne le col. Voilà, une colle cheminée avec des très jolis cactus. Et la particularité de ce pull, c'est qu'on a une bande de jacquard ici. Sauf que, en fait, il s'est détendu au lavage, il s'est un peu agrandi. Et la bande de jacquard, elle s'est contractée. Du coup, quand Monsieur Béat le porte, ça lui fait embourler deux pulls. Donc déjà, ça lui descend. Alors, je dirais pas que ça lui fait une robe, mais il est quand même un peu plus grand que ça. Mais bon, du coup, c'est un peu trop long et ça lui fait un bourrelet de pull par-dessus le ventre. En fait, c'est très peu esthétique.
Donc, pendant les vacances, je veux couper là, globalement, et enlever ça, parce que c'est à peu près ça, il est quasiment trop long de ça en fait, hein. Enlever ça et voilà, remettre les côtes. Je verrai si je garde un motif de jacquard ou pas, mais là, c'est pas possible. Et même en l'ayant vraiment tiré au blocage, hein, même au blocage, en l'ayant bien 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 étiré, en fait, on se retrouve vraiment, c'est trop long, quoi. Ça va pas. Pourtant, c'était de la Lima ou Drops, et je l'ai déjà tricoté plusieurs fois, la Lima, notamment pour Monsieur Velette. J'avais jamais eu de problème avec. Donc voilà. Je l'avais terminé l'année dernière au moment où les gros pulls devenaient plus nécessaires parce qu'on a eu un printemps assez doux, très long, mais assez doux. C'est-à-dire que quand on se lève le matin et qu'il fait 10 degrés, un pull en déca, ben c'est trop. Même si on est en juin. Voilà. C'est à peu près ça. Vu que c'est vrai que l'année dernière, on a eu un printemps qui s'est laissé désirer. Et que, donc voilà, pour ceux qui étaient déjà là l'année dernière, je vous rappelle qu'on a un moment eu une fermeture d'établissement pour cause de champignons. Et qu'on a dû faire cours toute la fin de l'année avec fenêtres ouvertes, purificateur d'air dans les salles et machin. Il faisait un bruit d'avion en train de décoller, quoi. C'était parfait. Et fenêtres ouvertes alors que le matin, il faisait 10 degrés. Voilà. Et après, on nous dit, mettez vos élèves dans une posture d'élève. Faites-leur enlever leur manteau. Bref, c'était marrant. Bon, je préfère en rigoler quoi. Donc voilà, ça c'est projet pendant les vacances. Ça va aller assez vite, j'espère. Et attends, je pousse ça. Oui, il y a aussi le pantalon qui va avec. Là, oui, c'est le moment de. La tisane est en train d'infuser. On va être parfait. Voilà, donc moi je vais vous laisser là. Je pense que. En fait, j'ai envie de vous dire, je pense que je vais faire ça dans la semaine. Mais on a bien vu la semaine dernière que c'était un peu aléatoire. Dans l'idée, je reviens la semaine prochaine pour vous montrer les avancées sur le Tramea. Non, je reviens demain pour vous montrer les avancées sur le Tramea. Sachant que j'ai quand même pas mal de trucs à faire demain. Donc on verra si j'ai le temps d'avancer ou pas. Si je n'ai pas le temps, bah tant pis. Hein, ou pire, si c'est pas pour Noël, ce sera pour l'anniversaire de Monsieur Belette fin janvier. On se débrouillera. Voilà, donc j'espère demain, sinon, eh ben, samedi prochain, je crois, vu que, peut-être mardi, j'aurai le temps. Peut-être mardi, parce que je pars, donc mercredi, je suis de formation toute la journée à Bordeaux, pour éviter de devoir me lever beaucoup trop tôt, parce que c'est Bordeaux-Centre, donc il faut compter avec les bouchons 2h, 2h30, alors qu'on est à 60 km, hein. On est bien d'accord, on est à 60 km, mais avec les bouchons, il faut compter 2h30. Du coup, je pars la veille. Je pars la veille chez des amis. Peut-être que mardi, j'aurai le temps de venir. C'est pour ça qu'il y aura cette vidéo, ne sera pas jeudi, parce que mercredi, je serai en formation jusqu'à 18h, donc pas le temps. Et arrivé de toutou. Eh bien, du coup, il fait le tour. Ça, j'avais fermé la porte. Donc du coup c'est pour ça que vous aurez cette vidéo samedi. Donc je reviendrai quand je reviendrai. Peut-être demain. Si ça se trouve, la prochaine séquence. Je me dis bon on est samedi. Allez à plus tard. On se retrouve, on est le lundi 14 octobre. Oui, je viens d'avoir un bug. Je me disais, on est déjà en novembre, mais non, pas encore. C'est bon, on peut respirer un peu sur les cadeaux de Noël. Alors, je vous retrouve aujourd'hui, on est donc lundi. Oui, parce que dans ma tête, je sais pas pourquoi je veux être mardi. Mais non, on est lundi. Et donc, je viens vous voir pour faire le point sur mes petits tricots. Tout d'abord, je vous avais montré hier. Les deux manches terminées du Cousteau, je fais une rayure depuis, voilà, alors pas une avancée de fou, hein, on est d'accord, pas une avancée de fou, mais c'est pas grave, ça avance à son rythme, c'est pas très grave, sachant que je suis venue vous voir
dans l'après-midi, que j'avais encore plein de trucs à faire qui n'avaient rien à voir avec le tricot, donc j'ai pas beaucoup beaucoup tricoté. Mais aujourd'hui, d'accord, j'ai une pelote qui est tombée et qui sortait du sac, c'est pour ça que ça me gênait. Aujourd'hui, donc j'ai pu avancer un petit peu le châle Tramea pour Monsieur Belette et donc j'ai quasiment terminé. Je crois qu'il me reste que 7 ou 8 rangs pour terminer la première section. Sauf que Monsieur Belette rentre dans 10 minutes, donc je me vois dans l'obligation d'arrêter. Mais j'ai bien avancé vu que je vous avais laissé. Attendez, je vous montre à l'envers. Je vous ai laissé, j'en étais là, et donc j'ai fait quasiment une répétition entière du motif aujourd'hui. Alors attendez que je réussisse à démêler. Parce que qui dit trois pelotes dit ça s'en mêle dans tous les sens. Voilà, sans compter le chat qui décide de mettre. Attendez, il faut que je vous montre ça parce que c'est vraiment beaucoup trop mignon. Et voilà. Je la filme, elle arrête. Ah voilà. C'est tellement mignon. Elle adore jouer avec. Alors la laine, elle aime bien, mais surtout avec les sacs. Elle adore se mettre dans les sacs de laine. C'est son grand kiff. Bref, revenons-en au châle Tramea. Donc c'est un châle que je tricote pour Noël de Monsieur Belette ou son anniversaire. Je sais pas. Je vais aussi lui offrir un calendrier de l'Avent, un puzzle avec une photo de nous, une jolie photo de nous. Voilà, donc j'en étais ici quand je vous avais laissé. J'ai fait quasiment une répétition du motif. Hein. Donc c'est un châle qui se construit, c'est un slip. Voilà, c'est un slip très échancré. que dire de plus? Oui, est-ce que je me suis loupée à un moment? Oui. Est-ce que franchement vous le voyez? Non. Donc on est bon. Du coup là l'ordre des couleurs est complètement foireux. C'est pas grave. Un moment j'arriverai au bon nombre de mailles, je m'arrêterai là. Normalement je suis au bon nombre de mailles dans 6 rangs si je me trompe pas. Voilà. Pour tout vous dire, vous voyez qu'il y a peut-être, vous voyez qu'il y a une bande bleue qui est plus épaisse que les autres, qui est par ici là, je crois. Oh, ben, je la vois. J'ai même du mal à la voir là. Voilà. Elle est là. Et donc, bah c'est pas grave parce que ça se voit pas. En fait, vous le voyez là? Non, vous le voyez pas. Moi, je m'en suis rendu compte parce qu'à un moment, je me suis aperçue que j'étais plus sur les bonnes couleurs. Sinon, je m'en serais pas rendu compte. Voilà. Donc, c'est pas grave. C'est pas grave. Il y aura le bon nombre de mailles et on sera bon. Ceci étant dit, je suis contente parce que ça fait un petit peu moins patriote. Par contre, ça fait vraiment très très brocarde de Poney Club. Vous voyez, ça fait un peu genre distinction pour chevaux, quoi. Hop, clac. Voilà, la distinction bleu-blanc-rouge. Donc, je vais voir si ça fait trop Poney Club. En vrai, je continuerai parce que ça me fait beaucoup trop rire. Non, mais si ça fait trop Poney Club, je changerai peut-être le rouge pour du moutarde. Mais je trouve que ça va. Vu qu'après, on a toute la partie en mosaïque à deux couleurs. J'ai hâte d'ailleurs d'arriver à cette partie. Parce que celle-ci, pour être très intéressante à faire, non pas qu'elle est embêtante, mais juste, c'est bon, ça y est, je l'ai comprise. Donc j'ai envie de passer à autre chose. Voilà. Mais du coup, je suis contente. C'est vrai que finalement, ça fait pas trop patriote. J'avais un peu peur de ça. J'avais pas du tout capté en commandant les couleurs que ça faisait bleu, blanc, rouge. Hein. On est d'accord, je n'avais pas capté. D'ailleurs, à la base, je voulais du brique et finalement, c'est plutôt du rouge. Hein. Mais bon. Hop. Et ça va. Je trouve que ça fait pas trop. Ouais. Bon, ça fait quand même un peu cocarde de Poney Club. Bref, on verra ce que ça va donner. Après, on a du coup, après ce sera bleu et blanc et la bordure sera rouge. Donc, je pense que ça ira, ça sera pas trop bizarre. Mais j'aime bien. J'aime bien. Je trouve ça plutôt agréable à tricoter. Mais voilà, il faut que je le tricote que quand Monsieur Belette n'est pas là. Et je me suis dit que je voulais en deadline pour le finir pour l'anniversaire de mon papa. Donc fin novembre pour voir avec mon papa s'il peut le laver chez lui pour que Monsieur Blatt l'ait déjà lavé tout bien et tout et qu'il puisse l'utiliser pour Noël. Parce que je passerai certainement voir mon père en décembre. Donc voilà. Donc il faudrait que ce soit terminé pour fin novembre. Je pense que c'est envisageable. Sachant que Monsieur Belette est en vacances en même temps que moi. Donc je ne pourrais pas avancer dessus. Mais si j'avance bien.
pendant les vacances, là, si j'avance bien et que j'avance aussi les 40 heures de formation qu'on m'a collé, formation en ligne, il y a moyen que je laisse un peu de temps sur mes lundis et donc que ça avance pas trop mal. En tout cas, j'espère. De toute façon, on verra bien. Je range ça avant que Monsieur Belette arrive parce que oui, c'est rangé sous ma petite table. J'ai. Ça, c'était ma boîte pour la couverture. Et il me reste les trucs pour la couverture de Nubio. C'est mon objectif de m'en occuper. Ce sera un de mes projets des vacances de Noël. Pendant les vacances de Noël, je veux faire le manteau pour le petit pull en brioche pour Nubio et je veux faire aussi sa couverture. Puisque je repousse ça et je repousse, je repousse, je repousse. Bon, regarde, là, il écoute. Il écoute très très bien ce que je suis en train de raconter. Là, je parle de pull et de couverture. Là, il est au taquet. Hein. Et donc, je repousse le fait de lui faire et j'ai très envie de lui faire. Je pense que je vais faire ça pendant les vacances de Noël. Je vais essayer, pendant les vacances de Noël, de faire plein de petits projets que je repousse depuis beaucoup trop longtemps pour les avancer. Parce que pour l'instant, ça n'avance pas. Voilà. Alors, sinon. Qu'est-ce que j'ai à vous raconter? J'ai fait une commande. Normalement, vous la verrez dans la fin de la vidéo, vu que je pense que ça devrait arriver en fin de semaine. Et que cette semaine, je clôture un peu plus tard. Ces trucs-là, toujours, ça finit toujours devant. Donc, j'ai fait une commande chez Kalidou. J'ai commandé de quoi me faire un pull Ralph. Parce que, je crois que c'est Ralph le nom. Parce que, clairement, la version de Manu, de Miss Manu Naturel. Elle m'a vraiment vraiment donné envie de le faire. Je le fais dans un vert un peu amande, qui ressemble un peu à ça d'ailleurs. J'ai l'impression. Alors, la tache qu'on voit ici ne se voit pas dans la vraie vie. Voilà. Vraiment, j'ai le nez dessus. Je sais pas où elle est. Faut que je cherche à l'écran et je la vois de temps en temps. D'ailleurs, j'ai clôturé la précédente vidéo avec ce t-shirt-là, que j'aime beaucoup. Hein. Il est très très confortable. Je le mets tout le temps. Dès qu'il est propre, en fait, et sec. Et sec, je le mets. Et donc du coup, cette tache ne se voit pas, mais se voit à la caméra. Bon, on va faire avec. Je disais donc que j'ai acheté de la Air Drops pour faire ce pull à capuche qui me fait très 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 envie. Et j'ai acheté aussi de quoi refaire un bonnet pour mon papa. Je devrais recevoir ça en fin de semaine, donc il y a moyen que ce soit mon projet du week-end pour pouvoir lui donner. Samedi, dimanche. Voilà. Ce sera assez vite à faire. Je vais refaire un Oslo hat de petite knit. Vu que c'est un modèle de bonnet qui va super bien, qui fonctionne très bien, qui est confortable, etc. etc. Que en plus, mon père, il veut que ça lui colle le crâne. Donc, j'ai pas besoin de faire un sloggy derrière. Donc, je pense que je devrais. J'ai vu que la commande est en préparation. Elle sera expédiée. Aujourd'hui ou demain, donc je devrais la recevoir jeudi ou vendredi, et je devrais monter ça dans le week-end. Comme ça, mon papa l'aura dimanche, ce sera très bien. Voilà. Ensuite, parlant de colis, aujourd'hui j'ai voulu déposer un colis, comment ça s'appelle? Chronopost. Donc il est toujours dans le coffre de la voiture. J'en peux plus de ces transporteurs. Je n'en peux plus. Donc, j'avais deux colis à déposer, un Mondial Relais et un Chronopost. Donc, Mondial Relais, hop, c'est bon, c'est fait. Je suis allée à un truc pick-up, j'ai pu le mettre. Et Chronopost, j'arrive au premier, là où je veux le déposer, on me dit c'est complet. J'arrive un deuxième où je veux le déposer, on me dit c'est complet, on prend plus les colis. Donc, Chronopost, j'arrive à la poste qui me dit: ah non, dans cette agence-là, on prend pas ces colis-là. Par contre, allez à l'autre agence. Je vais à l'autre agence, de l'autre côté de la ville, qui me dit: ah ben non, on les prend pas en fait, les Chronopost. Chronopost, c'est pas nous qui les prenons. Le truc s'appelle Chronopost. Et ils ont des trucs dedans marqués Chronopost. Mais non, ils prennent pas les colis Chronopost à la poste. Voilà, donc là, je me retrouve avec un colis que je dois renvoyer à mon opérateur téléphonique avec les box et tout dedans. Que je peux pas envoyer parce que je ne sais pas où le déposer. Ça m'a pris, ressenti, à peu près 35 000 ans. Dans les faits, j'ai dû y passer 45 minutes. Et c'est toujours pas envoyé. Je trouve ça hyper agaçant parce que,
Au final, maintenant, il y a tellement de possibilités pour envoyer des colis qui se font tous concurrence et qui rentrent en conflit les uns avec les autres. Et pourquoi Chronopost est marqué Poste dedans et c'est géré par la Poste, mais en même temps, la Poste, elle a aussi des BD. C'est devenu une complexité qui n'a absolument pas lieu d'être. En fait, ça fait prendre et perdre un temps énorme pour rien. Et en ce moment, j'ai l'impression que notre société, elle est un peu comme ça, en fait. Que la moindre petite chose, la moindre petite chose anodine en plus, hein, vraiment, vraiment anodine, est devenue limite une affaire d'État. Ça devient un peu pesant, je trouve. Je sais pas si vous avez cette même sensation que moi, mais j'ai l'impression que vraiment, des tout petits trucs, hein, comme là, renvoyer sa box à son opérateur téléphonique après avoir résilié son contrat, ça devient une affaire d'État, en fait. Ça m'a pris, sans compter le temps de parce que j'avais gardé tous les cartons, heureusement, de remonter les cartons, de remettre les trucs dedans. Honnêtement, ça m'a pris, je pense, dans la journée, pas loin d'une heure et demie, pour l'avoir toujours pas envoyé au final. Et je ne comprends pas, en fait, comment ça peut prendre une ampleur temporelle pareille pour quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Voilà, c'est une grande interrogation chez moi. Comment ça se fait qu'on passe parfois un temps incroyable à faire des trucs qui ne devraient pas prendre ce temps-là? C'est vraiment... Ça me saoule, en fait. Ça me saoule très très fort. Voilà. Bon, allez, moi je vous laisse là. Je vous retrouve demain. J'espère que j'aurai le temps de terminer la partie 1 du châle. Ce soir, c'est à l'eau tricot, donc j'aurais avancé sur mes Arnold's of the Night Socks. Voilà, normalement. Et puis bon, je vous dis du coup à demain. Je reviendrai après plus certainement samedi. Parce que le reste de la semaine, à mon avis, il n'y aura pas trop. Voilà. Allez, à plus tard. On se retrouve pour la clôture de ce vlog. On est donc le samedi 19 octobre et je vous retrouve avec le magnifique bouclette là, deux bouclettes apparemment, deux bouclettes qui me font ressembler peut-être un petit peu à un Teletubbies. Ok, d'accord, bon, on va faire avec. Hein. Je suis désolée pour les petits bruits de patounes sur le parquet. J'ai un petit chien qui a décidé, il m'a vu installer la caméra et il s'est dit tiens, si j'allais chercher mes jouets. Histoire de jouer un peu au pied de la caméra. Voilà, sinon ce n'est pas drôle. Hein, on est d'accord. Alors, voilà, voilà. La pose d'eau, non, 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 non. Là, c'est on défonce la pieuvre. Je dis une grosse pieuvre en tissu. Bon, ça y est, c'est posé. On devrait avoir un peu de tranquillité. Donc, je vous disais, je suis contente de vous retrouver. On est le samedi 19, donc je n'ai pas pu revenir mardi, vu que en fait, j'ai eu un million de trucs à faire avant de partir. Mais j'ai quand même pu commencer la deuxième section du châle Tramea, que je ne peux pas vous montrer là, vu que j'ai Monsieur Belette qui est pas loin. D'ailleurs, il n'était pas loin pendant que je faisais le montage de la première partie, donc j'étais trop contente, hein, il était à côté de l'ordi, du coup, mais je crois qu'il n'a rien vu. Alors, qu'est-ce que j'ai fait depuis lundi? J'ai un petit peu poursuivi mon pull Cousteau, vu que... Attendez, j'essaie de trouver dans quel sens il va. Vu que, vous voyez... J'ai fait un peu de verre. Non mais clairement, mardi, je suis partie. J'ai mis plus de 2 heures à arriver chez mes potes donc, qui habitent en banlieue sud de Bordeaux. Et truc improbable, donc mercredi matin, j'avais ma formation. Je pars de chez eux 1h30 avant, sachant qu'il y avait genre 30 minutes de bus. En me disant que j'avais très très envie de me poser à Starbucks, qui était pas loin de ma formation, et de prendre le temps de prendre mon café, d'être posée, de regarder les gens passer, enfin vraiment de prendre le temps d'apprécier la ville. Et donc,
Le truc, c'est qu'en fait, pour repartir, ça m'arrangeait pas d'aller jusqu'à chez mes potes. Parce que du coup, c'était pas du tout la bonne route. Surtout qu'après, je devais retrouver une autre amie pour manger, c'était pas le même coin de Bordeaux, donc je me dis, bon, c'est pas grave. Je mets la voiture sur un parking relais, donc des parkings qui font le lien directement avec le tram, et comme ça, c'est nickel. J'arrive au premier parking, plein. Deuxième parking, transformé en station d'accueil pour les gens du voyage. Donc là, je commence à être un petit peu embêtée, parce qu'évidemment, avec les bouchons du matin, ça roule mal. Donc, j'arrive en centre-ville, j'arrive au parking, donc quasiment 1 heure plus tard, hein, j'arrive au parking juste à côté de la formation, je vais pour rentrer dans le parking et je vois un policier me faire. Voilà, il me restait 15 minutes avant le début de ma formation, donc je suis allée jusqu'à un autre parking. Autre parking qui est. Honnêtement, la distance entre ces deux parkings, il vaut mieux la faire à pied. À pied, ça prend 5 minutes. En voiture, ça m'a pris 15 minutes. Voilà. Alors que, limite, on prend la même route, quoi. Mais bon, tellement de monde, tellement de feu, tellement de la circulation, etc. C'est normal que les trams soient prioritaires et les bus aussi. En fait, ils ont beaucoup plus de passagers. En tant que. Voilà. J'essaye d'éviter de rentrer avec ma voiture dans les grands centres urbains parce qu'en fait, c'est pas du tout fait pour. Mais bon, bah là, j'étais bien obligée. Donc finalement, je suis arrivée avec 3 minutes d'avance à ma formation. J'ai tellement stressé que ça m'a déclenché une espèce de migraine de l'enfer. J'étais pas très contente. Du coup, j'avais prévu de me boire un café à Starbucks, j'avais prévu de passer enfin, chez Mola. Si vous connaissez pas Mola à Bordeaux, c'est une très très grande librairie qui fait quasiment un pâté de maison et qui est géniale. Et bah non, du coup, je suis allée me poser sur le parking du resto où on devait se rejoindre avec ma pote et globalement, j'ai dormi le temps qu'elle arrive. Parce que j'avais la tête, mais dans une pastèque. Bref. Du coup, les avancées de mon cuistot, parce qu'on est toujours là. Donc j'ai fait ça jeudi soir. Quand même, hein, j'ai fait genre 8 rangs. Attention! Attention, attention. Bon, ça n'a pas été bien, bien efficace, hein, on va pas se mentir. Parce que je dis, j'ai. Vous savez, il y a des choses des fois qui. Des événements qui vous vident de votre énergie. Bon, bah jeudi, j'avais déjà peu d'énergie. Après la journée de mercredi, j'avais le fond de migraine qui restait et je sentais qu'en fait, au moindre problème, ça allait revenir. Bon, bizarrement, c'est pas revenu quand le problème s'est présenté. Mais bon, bref, les aléas des choses. Du coup, le cousteau, il a pas beaucoup avancé. J'ai un peu avancé mes Hermione's Everyday Socks pendant le tricot de cette semaine. Je crois que j'ai dû faire une dizaine de rangs. Donc, on va bientôt être à la fin de la première chaussette. Et on est quand même cette année sur 3 paires ou 4 paires? Ouh, 3 paires. C'est ma troisième paire tricotée. C'est ma troisième paire tricotée. Quatrième paire si on compte le tube à chaussettes que Manu m'avait gentiment envoyé. Voilà. Hein, bon, il y a des années à chaussettes, il y a des années faiblement chaussées. Voilà. Mais le truc intéressant, c'est que je vous ai dit que j'avais commandé chez Kalidou. Le colis, en réalité, il est arrivé mercredi, sauf que jeudi, vu que j'ai dû gérer de l'aléa de type humain, j'ai pas pu aller le chercher, donc je l'ai cherché que hier. Et donc, hier soir, avant de m'écrouler de fatigue à 21h30, j'ai quand même monté les mailles du bonnet Oslo pour mon papa. Et donc, je l'ai bien avancé aujourd'hui. Donc, le Oslo Hat, on fait d'abord un long tube de jersey qu'on replie sur lui-même. On fait quelques rangs dans un sens, après, on tricote le reste du bonnet dans l'autre sens. Donc, j'ai fait depuis ce matin, parce qu'en vrai, hier, j'ai monté les mailles et peut-être que j'avais entamé le deuxième rang. Voilà. Donc j'ai tricoté toute la bande de jersey. Donc qui fait tuc 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 et tuc 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 comme ça à l'intérieur. Ensuite j'ai cousu ensemble j'ai relevé des mailles pour fixer les bandes. Vous voyez, je sais pas si vous allez voir, mais voilà, c'est vraiment un tube.
Voilà, et donc j'ai avancé et j'ai déjà fait, je dirais, un bon tiers du corps du bonnet. Donc il sera terminé ce soir, je suis très contente parce qu'on voit mon papa demain. Vu qu'on lui abandonne lâchement nos enfants velus pour partir en vacances. Voilà, ils vont chez papy. Ils vont chez papy. Au grand bonheur de Nubio et au grand désespoir de Gaufrette. Voilà, je n'aime pas bouger de la maison Gaufrette. Elle est très, très casanière. Je dirais même qu'elle est chasanière en fait. Mais ce qui n'est pas le cas de Nubio, qui est très content d'aller chez son papy. Le problème, c'est que Gaufrette vient avec lui. C'est plutôt ça qui l'embête. Voilà. Hormis ça, je précise quand même qu'ils s'entendent extrêmement bien. Ils passent juste leur temps à se taquiner. Mais que quand on est là, en fait. Quand on n'est pas là, ils ont vraiment une relation. Ils sont proches l'un de l'autre, ils dorment l'un contre l'autre, etc. Mais si un humain a le malheur de passer à portée de vue quand ils dorment l'un contre l'autre, en fait, celui qui voit l'humain passer va mettre un coup à l'autre. Voilà, vraiment, c'est une relation qui est assez marrante. Au final, ils font tout pour s'embêter mutuellement tout le temps, mais c'est toujours dans le respect de l'autre, en fait. C'est taquiner et pas être méchant. Bref, le ocelot de mon papa, donc il sera certainement terminé aujourd'hui, tant mieux parce que du coup je lui offre demain. Il sera pas lavé, mais c'est pas grave, tant pis. Voilà, ça, il va faire avec. Et donc je le tricote en Flora de Drops, je sais plus quel coloris, le gris foncé. Le gris foncé. Alors, qu'est-ce que j'ai reçu d'autre? J'ai pris deux autres pelotes de Flora pour me refaire un bonnet plutôt dans les tons écrus, parce que j'ai un gris pâle et un jaune, et Monsieur Belette a un noir et un rouge, et donc on s'est dit que celui-là on se le partagerait dans les tons plus clairs. Ensuite, je me disais, j'avais très envie de me faire un pull Ralph. Donc, la version manche longue, manche longue et capuche, avec ceci. Ceci, donc c'est de la Air de Drops. Vous voyez que c'est pas une laine qui est uni-uni. Le coloris, c'est la couleur 30 et c'est un très joli vert. Et j'ai hâte de pouvoir le tricoter. Très très hâte. Du coup, là. Attendez, je remets mes idées dans le bon sens parce que je suis un peu fatiguée. En vacances. En vacances. Donc, ça me plaît beaucoup. Je vais le prioriser comme tricot, puisque je vous disais que ces derniers temps j'ai un peu mon rythme tricot par rapport à l'année dernière, il est complètement différent et les contraintes que j'ai aussi sont différentes par rapport à l'année dernière. J'ai l'impression d'avoir moins de temps de tricot, enfin du coup moins de temps efficace de tricot. Alors après, est-ce que c'est dû à ma grosse fatigue de début d'année qui est toujours pas passée? D'ailleurs, je commence à me demander si j'ai pas genre fait un Covid asymptomatique et avec en fait le contre-coup assez balèze, parce que les fois où j'ai eu le Covid, à chaque fois j'étais asymptomatique au final. Par contre, j'ai été méga crevée en fait. Et je ne me suis testée que parce que Monsieur Belette avait des symptômes. Donc je me dis en fait, si ça se trouve, j'ai chopé le Covid, bon, début septembre, et c'est ça qui m'a foutu ultra KO et que là je suis seulement en train de remonter. Je ne sais pas, et je pense que je ne saurai jamais ce qui s'est réellement passé. Mais du coup, voilà, je continue à remonter la pente doucement. Et je vous ai dit hein, que ça me pesait de ne pas être à mon maximum, enfin non, à mon rythme normal d'énergie. C'est pesant. Et donc j'ai décidé d'arrêter d'avoir plusieurs gros projets en même temps parce que comme je ne me vois pas avancer, ça me frustre. Donc ça, on arrête. Objectif là de ces vacances, ça va être de terminer le pull Cousteau et d'essayer d'avancer au maximum le gilet Auréa. Reprendre aussi le pull de Monsieur Belette, mais ça c'est l'histoire de même pas une demi-journée en fait, parce que j'ai le truc à découdre et les côtes à refaire, donc ça va aller assez vite. Je sais même pas en fait si je vais pas garder les côtes et puis faire un grafting. Je pense que je vais tenter de faire ça, puis on verra si ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, je découdrai, mais enfin, je détricoterai plutôt. Mais voilà, et je vais faire ensuite absolument le pull pour Monsieur Belette. Et une fois que ce sera fait, je pense qu'on sera en décembre en fait, parce que j'arrive pas à être très
efficaces en ce moment. Et je me ferai du coup mon Ralph, parce que j'ai très très envie de me le faire ce Ralph. En plus il se tricote en grosse aiguille, il va vite, c'est un pull doudou, c'est très bien. La question reste, franchement, avec un fil comme ça, est-ce que je vais réussir à le porter? Vu qu'on est 50 grammes, 150 mètres. Oh bah tiens, c'est considéré comme une sport. Bon. Mais bon, on préconise de tricoter ça avec des aiguilles 5. Je sais pas en quoi se tricote le Ralph. Mais bon. Est-ce que je vais pouvoir réussir à porter un pull aussi chaud? En fait, je ne tricote quasiment que de la figurine. Parce que tous les pulls que je me suis fait en plus gros que la figurine, je ne les porte que très 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 peu dans l'année. Quand je vous dis vraiment très peu, j'aime beaucoup mon pull Mus par exemple, mais bah en fait je le sors 2 semaines par an. Voilà. Et encore arrivé au boulot, même si ma salle est immense, salle de science c'est immense, ma salle elle fait ouais bien deux fois une salle de classe normale, ce qui fait que la voix, c'est épuisant aussi. Et bah même comme ça, quand il y a 30 élèves dedans, au bout de 2 heures, il fait chaud. En fait, il fait chaud. Donc même si j'arrive à garder un pull le matin, bah dès 10h30, en fait, je suis en t-shirt, quoi. Donc, bah du coup, la pertinence d'aller tricoter des fibres plus épaisses, je ne sais pas. C'est pour ça que j'en tricote très peu. Je tricote quasiment que de la fingering. Et même mes pulls et gilets, généralement, je ne les garde pas toute la journée. Parce que j'ai trop chaud. Mais le pull Ralph, il a l'air d'être tellement douillé. Franchement, la version de Manu, elle m'a tellement envoyé du rêve que j'ai envie de le faire. Donc voilà. C'est tout. C'est doux. C'est tout doux. Voilà, voilà. Alors, petit point de ce qui va se passer dans les semaines à venir. Semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo puisque je suis en vacances. Nous partons avec Monsieur Belette, on sera absent toute la semaine prochaine. Si les astres sont alignés, on sera à Feltin le vendredi. Le samedi, on... Non, parce qu'on aura passé une semaine à avoir nos potes, à picoler, etc. Donc, vendredi, voilà, on enchaîne avec Feltin. Et après, on rentre à la maison faire les larves. Donc voilà, j'espère que les choses s'enchaîneront bien. Normalement, on ne devrait pas avoir de soucis. Donc pas de vidéo la semaine prochaine, vu que Belette loin de son domicile, donc loin de ce qui permet de faire du montage. Donc voilà, et puis même besoin de vacances. Pas de vidéo la semaine prochaine. La semaine d'après, normalement, il y aura une vidéo. Par contre, je ne sais pas si je la sortirai... Je la sortirai le jeudi, je ne sais pas encore, ou le samedi. Bon, on verra, de toute façon vous verrez, vous recevrez une notification. Si vous avez activé la petite cloche, vous recevrez une notification. Voilà. J'avoue que là je ne suis pas en capacité de me projeter à 3 semaines, je suis déjà un peu en capacité de me projeter à 4 heures. Voilà. Une projection à la fois quoi. Allez, moi je vais vous laisser là, donc je remercie la team jusqu'au bout d'être restée jusqu'au bout. Je vous rappelle que vous êtes la deuxième meilleure communauté après celle de l'anneau. Je vous embrasse très fort et du coup je vous dis à dans quelques jours.